السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في الدرس الخامس من فورماسيون موتور اسينكرون. الدرس تاع اليوم اللي مهم جدا سي لو غليسمون. لو غليسمون يا جماعة الخير وشنو لو غليسمون؟ لو غليسمون سي لا ديفيرونس انتر لا فيتيس دو روتاسيون دو شون تورنون اي لا فيتيس دو روتاسيون دو موتور. في موتور اسينكرون كما هضرنا في الدرس الاول قلنا عنده بوبيناج هذاك كرينا ان شون تورنون. هذاك شون تورنون راح يدورنا الروتور. الروتور يدورنا à une vitesse. Le rotor va tourner à une vitesse quelconque. Par exemple, نقولو يدور à une vitesse نقولو 1460 tours par minute. Le champ tournant يدور à une vitesse كثر من la vitesse تاع champ tournant. هذاك الديفيرونس تاع la vitesse بين الروتور و لو champ tournant يسموه لو غليسمون. الرمز تاعو جي، القانون تاعو NS سي la vitesse de rotation du champ tournant moins la vitesse de rotation du moteur. C'est bien sûr de rotor ou de moteur. Oui, c'est la vitesse de rotation du moteur. Nous avons fait le loi de cette loi. Nous avons fait la différence la différence NS moins N. Nous avons fait NS moins N sur NS pour que nous avons un pourcentage. Yani, le glissement est un pourcentage. Adna, la vitesse du champ tournant est égale F sur P fois 60. C'est-à-dire fois 60 pour que nous avons un tour par minute. Ou le F sur P, nous avons un tour par seconde. F, c'est la fréquence en hertz, P c'est le nombre de paires de pôles. Le nombre de paires de pôles, mais c'est le nombre de pôles. C'est ma vie que nous avons deux pôles, mais on a qu'un paire de pôles. Remarque, si le moteur tourne en synchronisme avec le champ tournant, la vitesse de rotation entre la vitesse de rotation entre le rotor et le champ tournant est nulle. Il y a la différence de vitesse. Est nul, alors le moteur est synchrone, bien sûr, parce que si on a la vitesse du champ tournant est égale à la vitesse du rotor, mais le glissement, maintenant le moteur est un moteur synchrone. Alors, on a l'exemple là, un moteur asynchrone, trois phases, possède ses pôles, et alimenté par un réseau triphasé 230-400 volts. 230 c'est la vitesse simple, 400 volts c'est la vitesse interphase, 50 Hz. La fréquence est 50 Hz, au régime nominal, la vitesse de rotation sur l'arbre du moteur est 1 est égal à 900 tours par minute. Qui est la vitesse de rotation sur l'arbre? Maintenant, la vitesse de rotation du moteur. Je vais vous dire la vitesse de rotation. Maintenant, la vitesse de moteur, c'est l'inégal de la plaque signalétique, 900 tours par minute. Première question, quelle est la vitesse de synchronisme? Deuxième question, quel est le glissement? Troisième question, calculer la vitesse angulaire de synchronisme et la vitesse angulaire de rotor. Attention, un tour par minute. Voilà. La solution, première question, quelle est la vitesse de synchronisme? NS, qui est le nom de la loi F sur P, maintenant 50 Hz sur 3. On a le nombre de pôles, 6 pôles. Le nombre de paires de pôles, yani P est égal à 3. On a le nombre de paires de pôles, paires maintenant. Le nombre de pôles 6, le nombre de paires de pôles, c'est 3. Alors, 50 sur 3 est égal à 17 tours par seconde. Nous avons 1 est égal à 900 tours par minute. Alors, 900 sur 60, parce qu'il y aura tours par seconde, il y aura 15 tours par seconde. La vitesse, 15 tours par seconde. Bon, première question, c'est 17 tours par seconde, la vitesse de synchronisme. Deuxième question, quel est le glissement? On a la vitesse du rotor, ou du moteur, kif. On a le tour par seconde, on a 60. Alors le glissement est égal à NS moins N sur NS. 17 moins 15 sur 17 est égal à 12%. Troisième question, calculer la vitesse angulaire de synchronisme ou la vitesse angulaire du rotor. Bon, la vitesse de synchronisme, on a 17 tours par seconde. Allez, 17 tours par seconde, on a 3 fois 2P. Qui nous la vitesse angulaire, on a 3 fois 2π. Π, qui m'a dit, il y a 3,14. On a écrit ça ici. Π est égal à 3,14. On a 14, il m'a dit, il y a 3,14. Alors, on a 17 fois 2π est égal à 107 radians par seconde. On a la vitesse de angulaire du rotor ou du moteur, c'est N fois 2π, c'est 15 fois 2π est égal à 1 radial par seconde. Inch'Allah, dans ce cas-là, il y a un clair. Le glissement, c'est très important pour le moteur asynchrone. Il y a un dars très important.
La plaque signalétique, à partir de la vitesse de rotation du moteur, on peut conclure la vitesse de rotation تاع synchronism. On peut conclure tout. Inch'Allah, يكون الدرس تاع اليوم مفهوم. ونتلاقاو في الدرس السادس إن شاء الله. وما تنساوش تابوني في الفلاشان يوتيوب تاعي. وبارتاجيو مع أصحابكم. وإذا عندكم انتقادات ولا دي كوموندا خلوهم لنا أسفل الفيديو. ما تنساوناش بالدعوات تاعكم إن شاء الله. والانتقادات تاعكم فايدة لنا إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.